Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1-2, votre laboratoire du loto-foot en temps réel. Aujourd'hui, ça s'hallucine, donc on va faire une énorme émission sur la météo du loto-foot, donc de Ligue 2 avec 8 matchs. Et on va vous apprendre en fait une façon, parce que c'est vrai j'ai eu des commentaires sur des gens qui trouvaient que c'était bien de leur faciliter le travail, mais ils auraient aimé qu'on leur montre une technique de réduction de gris intéressante et qui possible donne du résultat. Donc on va vous montrer sur cette émission une astuce assez sympathique qui puisse vous permettre de réduire et de rester dans l'espérance de gain des gris, surtout sur l'autofoot 8. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pensez à liker la vidéo, ça participe au référencement de cette chaîne et de l'émission. Et pensez aussi à jeter un coup d'œil sur les formations qu'on propose sur 5 euros. D'ailleurs, il faut que j'y retourne. Ouais, on va d'abord faire le point. Donc, 14 formations. Donc, on a des services algo, on a des formations pour vous former au logiciel, on a des formations pour vous apprendre à réduire le coût des grilles et pour anticiper et payer moins cher. Donc, c'est vraiment des formations intéressantes. C'est le fruit de pas mal d'années de recherche d'ailleurs. Et je ne peux que vous les conseiller. On va revenir maintenant sur la grille. Donc, à titre d'information, donc là on est sur la grille de Ligue 2 la semaine dernière. Donc, à titre d'info, la semaine dernière, on vous a sorti en fait un 100% de résultats positifs sur les préférences. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que ben, voilà, les conseils qu'on vous donne sont intéressants. On n'a pas. Voilà, on n'a pas comment dire on n'a pas la prétention de vous dire qu'on pourra vous donner des résultats positifs à chaque fois, parce que ça reste très difficile, mais on est content quand on vous donne des résultats qui sont positifs et qui prouvent que la recherche par rapport aux outils qu'on utilise est assez intéressant. Donc, je vais revenir sur la grille de Ligue 2 et on va avoir en avant-première, l'astuce, la technique qui puisse vous permettre d'économiser sur le coût de vos jeux. Donc, c'était celle-ci sur le 31 juillet. Donc, on est là. Donc, on va refaire par rapport à la dernière vidéo. Donc, ça vous permettra de faire une synthèse. En préférence, on avait mis quoi? On avait mis Paris FC en base internationale et on avait mis. Voilà, là par contre, le match de Valenciennes s'est fini en match nul. On avait dit 1, donc à partir du moment où Paris FC a fait le taf, on n'avait pas à se soucier de celle-ci. C'était la couverture. Ensuite, que voilà, c'est une technique où vous pouvez vous caler sur la minoritière. Donc, minoritière hein, en vente sur notre boutique actuellement, je vous la conseille. C'est une formation qui est vachement intéressante et qui pose en fait compte l'idée avec des schémas et tout. Donc, c'est réfléchi. Alors, on va faire la météo du autofoot maintenant, de la grille Ligue 2. Donc aujourd'hui, je vais me mettre en haut. Qu'est-ce qu'on va. Donc là, en fait, c'est l'algo. Hein. Donc l'algo, on se cale sur les. En fait, on prend les cotes des pronostiqueurs, des bookmakers, et on les cale en fonction de ce que vont jouer l'ensemble des joueurs. Et en étirant les deux, ça nous permet d'avoir des chiffres un peu plus précis. C'est difficile à expliquer parce que ça prend un certain temps de le faire, mais du coup, ça nous sort des chiffres. Et la semaine dernière, ça vous avait montré à 99% que les meilleurs pronostiquaient vraiment donc sur Paris FC, je crois. Donc, vous voyez, on sort comme ça. On n'a pas, c'est pas vérifiable à 100% parce que c'est impossible, mais ça donne quand même des belles indications ça montre en fait ce que spécule une certaine partie de joueurs que les autres ne voient pas. C'est un peu ça. Donc, là, on voit quoi? On voit que Toulouse est beaucoup plus favori par les meilleurs que par les joueurs lambda ou Monsieur Tout le Monde. On va repartir par la première match. Auxerre-Ajaccio, bon, on reste sur un nul ici. Un peu plus de méfiance par des meilleurs pronostiqueurs. Le Havre, Paris FC, on reste sur une tendance 1-2. C'est à peu près les mêmes résultats. Amiens-Quévilly, Amiens est un peu plus. Comment dire, un peu plus haut par les meilleurs pronostiqueurs. Valenciennes-Nîmes, on reste à peu près sur la même tendance. Dijon-Rodez. Un peu plus de méfiance sur ce match, vous voyez.
par rapport aux meilleurs pronostiqueurs, on est un peu plus en dessous que la masse. Dunkerque-Niort aurait sans tendance à nul, un peu plus de méfiance aussi. Et enfin, Grenoble-Guingamp aurait sans tendance à nul pour les deux parties de pronostiqueurs. Donc, une fois que vous avez fait ça, bon, ça vous permet d'avoir des données qui puissent vous permettre de placer l'épreuve. Et c'est l'épreuve, en fait, la clé de ce match. Donc, on va partir sur la grille maintenant. C'est pas celle-ci, c'est l'autre. Donc, je vais me mettre. On est combien aujourd'hui? On est le 6. Allez, hop, c'est celle-ci. Allez, c'est parce qu'en fait, c'est demain. Donc, pactole de 150 000 euros. Donc, on va vous donner les conseils de préf. Ça vous facilite le taf. Après, c'est vous qui verrez si vous voulez faire comme là. Utiliser la technique. Ça ne veut pas dire que ça a marché, mais c'est une technique quand même. Là, ça vous aura permis d'apprendre de nouvelles astuces. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bah, n'hésitez pas, hein, si vous toutes les formations, hein, 14 formations d'autofoot, sont dans le même, on va dire, style de qualité. Donc, c'est vraiment des formations que je vous conseille. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt. C'était ça le signe pour cette météo de l'autofoot. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle météo avec un peu plus d'astuces comme d'habitude. Merci, bon jeu et bon week-end. Ciao!